C'est parti. J'ai décidé de faire ma rentrée littéraire. J'ai donc pris 12 livres que j'ai écrits. Pourquoi 12? Parce qu'à Orléans, il y a 12 boîtes à livres. Donc, je vais mettre un livre dans chaque boîte à livres de la ville d'Orléans. Peut-être que des gens le liront. Pour ce faire, j'ai un casque, mais j'ai pas mon vélo d'habitude. J'ai un vélo électrique. Ah oui, on m'a prêté ça, et donc j'avoue que j'étais très tenté par l'idée de l'essayer. Comme il y avait un panier à l'avant, je me suis dit, tiens, si je mettais tout dans le panier, j'allais avec le vélo électrique. Et ouais, c'est ce que je fais, j'avais à peu près 40 km quoi, pour pouvoir faire toutes les boîtes à livres de la ville. Et donc là, c'est la première en Hypersonde, donc c'est le parc Pasteur. C'est un petit parc dans lequel je suis venu un paquet de fois quand les enfants étaient petits. Bon, il y a du monde, je vais essayer d'être discret. Parce que je veux être très discret. J'ai mis un petit mot à l'intérieur avec le secret espoir que celui ou celle qui va le lire va le remettre dans une boîte à livres. Alors celle-là ou ailleurs, peu m'importe. Et puis on verra si les gens mettent leur nom. Oh, j'ai mis mon nom pour inciter les gens à le faire. Là c'est mieux, il va tenir. Bon ben voilà, hein. Allez, j'ai la peste. Une nouvelle boîte à livres. Voilà. Troisième boîte à livres. Quatrième boîte à livres. Ça fait 5 à 10 minutes que je tourne là à la source et j'ai pas trouvé ma boîte à livres. Pourtant, je suis à la bonne adresse, mais c'est pas indiqué précisément. Bon, je refais un tour et puis on va bien voir. J'ai trouvé la deuxième de la source. L'autre, je l'ai pas trouvé. Hein. Donc tant pis. Donc c'est le cinquième que je dépose dans la seconde boîte à livres de la source. Ok. Et c'est reparti. On est bien sur un vélo électrique. Maintenant, c'est l'heure pour quelques coups de pédale. Tranquille. Je passe à la boîte à livres, une des boîtes à livres dans laquelle j'ai déposé mon bouquin et il n'y est plus. Il y a quelqu'un qui l'a pris.